Merci d'être venu assister à cette nouvelle rencontre dessinée à la BPI du Centre Pompidou, en partenariat avec le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Merci à Bastien Vivès d'avoir accepté de participer à ce défi, de un petit peu présenter les coulisses de la création, voir comment se passe la construction d'une bande dessinée. Avant d'entrer dans le vif de cette rencontre dessinée, est-ce qu'on peut revenir, Bastien, sur le parcours donc de jeune auteur, puisque tu as 26 ans, 20, bientôt 27, mais enfin encore Bientôt, bientôt, 26. Tu publies depuis 2 ou 3 ans, et en 2 ou 3 ans, tu as déjà une demi-douzaine de livres, voire un peu plus, publiés, beaucoup déjà très repérés. Le goût du clore récompensé à Angoulême pour le prix Révélation. Donc c'est un peu un début fulgurant. D'abord, est-ce que c'est facile à vivre ça, ouais. d'être aussi exposé très vite? Oui, parce que ça reste de la bande dessinée, donc c'est quand même un milieu assez petit, mais dans le bon sens du terme, on peut encore s'exprimer, on peut encore raconter des histoires, et on a juste à rencontrer un éditeur, avoir une bonne histoire ou quelque chose comme ça, et puis on peut publier et mettre à disposition des gens, quoi. Bon, s'il n'y avait pas Internet, qui est encore un moyen encore plus rapide, pour une œuvre ou raconter une histoire, c'est quand même quand on aime le dessin, ça va extrêmement vite, quoi. Tu as un parcours, donc déjà une formation à l'école des Gobelins, donc un peu du dessin animé, j'imagine. Ouais, j'avais fait 3 ans de graphisme à Penningen, et puis je suis parti, et j'ai fait 2 ans de dessin animé au Gobelin, et puis je suis parti, j'ai fait de la BD. Donc la découverte, ça c'est Didier Borg, je crois, on peut le citer. Ouais, voilà, parce qu'en fait j'ai envoyé ma première BD, je l'ai envoyée. Didier Borg venait d'arriver chez Casterman, et heureusement qu'il est arrivé d'ailleurs, sinon je pense que cette BD n'aurait jamais été publiée chez Casterman. Et donc, vu qu'il cherchait des jeunes auteurs, moi, je suis tombé dedans. Internet a joué un rôle aussi, ou pas du tout? Internet au début, parce que il n'y avait pas encore tous les trucs des blogs et tout ça. On avait un site quand on était au lycée avec des potes, et j'avais créé déjà un personnage sur ce site-là, et j'avais réussi. Il y avait des gens qui c'était un danger public. Lamartinière s'était intéressé à un personnage, ça s'appelait Pungi, qui était un Un pingouin pingouin, oui. qui faisait des trucs sur la banquise. Et donc ça avait été repéré pendant que j'étais au Gobelin. On a publié 2 bouquins de Pungi. Et donc ça a été mon premier contact un peu avec l'édition. Et puis c'est pour ça, je pense, que je me suis dit, ah bah tiens, pas dire que c'est facile, mais garder une sorte de naïveté en me disant, bon bah voilà, je vais faire 4 planches et je vais les envoyer à des éditeurs sans trop savoir qu'est-ce qu'il y avait. Donc j'ai envoyé aux 5 gros, et puis je me suis dit, bon bah peut-être il y en a un qui va répondre, et puis. Je pose la question par rapport à Internet, parce que tu es de la première génération en fait qui publie sans passer vraiment par la case fanzine ou la case journal, Ouais. enfin le côté imprimé. Et il y a un côté intéressant dans ton travail qu'on va découvrir tout à l'heure, c'est que tu ne passes même presque plus par la page de papier en fait pour dessiner. Oui, là, ça aussi, ça c'est parce que, même si j'adore, j'ai toujours dessiné sur papier et tout ça, mais c'est que, après, dans la bande dessinée, il y a vraiment des trucs qui m'intéressent le plus, comme la mise en scène, et l'ordinateur, c'est l'outil, pour moi, le plus, enfin, idéal pour pouvoir faire ma mise en scène. Et surtout, quand j'ai commencé mon premier album, mes premiers trucs, je me suis dit, bon, il faut que je prenne la technique sur laquelle je suis le plus à l'aise, et vu que c'était sur ordinateur, moi, j'ai tout fait. J'ai tout fait sur ordi. Alors par exemple, le premier album paru chez Casterman, elle, et surtout Le goût du chlore, donc sont dessinés sur ordinateur. Ouais, tous, à part La dans mes boucherie. yeux et la boucherie, mais sinon tout le reste. Alors Le goût du chlore, c'est un album qui a beaucoup marqué. Une des raisons peut-être, c'est qu'on a souvent dit, des grands auteurs souvent ont dit que la bande dessinée n'était pas capable de transmettre les émotions et les sentiments. Et je crois que c'était aussi une des forces de ce premier livre, c'est que l'intrigue est assez simple, mais universelle, puisque ça raconte même pas une histoire amoureuse, parce que c'est les prémices, on ne sait même pas si ça aboutira à une vraie relation ou pas. C'était assez gonflé aussi de la part d'un jeune auteur de choisir ce genre de thème, qui effectivement est relativement peu mis en image. En tout cas, sur une histoire entière, enfin sur presque une centaine de pages même, on peut dire.
Mais en gros, c'était, je me rappelais quand j'avais fait le goût du chlore, j'étais en train de faire Hollywoodian, qui était le deuxième, juste après elle. Et j'ai arrêté Hollywoodian parce que je me suis dit, il faut que je raconte cette histoire. Voilà, j'ai fait dessiner cette histoire en 2 mois et demi, 3 mois pendant l'été. Je faisais 4 pages par jour, j'ai pas pris de vacances ni rien. Tu J'ai allais à fait la ce piscine quand truc-là. même. Comment? Tu allais quand même à la piscine. J'étais allé une fois, c'était pour ça qu'une fois ou deux avant. C'est Pas pour ça où je me plus. suis dit, non, mais c'est pour ça que je me suis dit, je voulais raconter cette histoire et je savais pas comment la raconter. Et je me suis dit, ben, la piscine sera parfait. Parce que c'est l'endroit où j'étais le moins à l'aise enfin, je sais pas très bien nager ni rien du tout. Donc je me suis dit, si jamais je dois rencontrer une nana, ça serait dans une piscine. Et puis je me suis dit que tout l'univers, ça serait parfait parce qu'il n'y a pas de code sociétal, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, c'est juste du huis clos. On a juste à se concentrer sur les deux personnages. Et c'était parfait pour pas que le lecteur se perde à se poser des questions hors juste des intérêts qu'avait du bouquin. Donc, contrairement à ce qui a pu être dit, c'est pas du tout autobiographique, c'est de la fiction. Non, 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 mais en fait, je me suis légèrement inspiré de trois trucs, mais c'est pas, c'est jamais pas, j'ai pas rencontré de fille dans une piscine, j'ai pas fait un truc comme ça. Dommage. Bah, dommage, hein. Alors, dans la bande dessinée Dans mes yeux, tu t'es lancé un défi de mise en scène, de vue subjective, ce qui avait pas été. Enfin, ça, ici, il y a quelques pages dans certaines bandes dessinées comme ça, mais une bande dessinée quasiment entièrement non. Ça vient de quoi? De ton goût pour le cinéma? Bah, ça vient surtout de choses. Quand on commence un bouquin, je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce que je veux raconter, quels sont les outils que j'avais à ma disposition et comment le raconter dans les meilleures conditions. Et là, c'était, je voulais, mon, le but, c'était d'analyser toutes les attitudes qui trahissent les choses, en fait, que la vérité découle toujours un peu. Enfin, c'est très difficile de mentir, donc je me suis dit, il faut qu'on se focalise toujours sur cette fille. Donc le personnage masculin ne m'intéressait pas. Je me suis dit, bon, j'ai pas envie de le dessiner, et donc je passe en vue subjective. Au moins, j'aurai que la nana devant moi, et on va pouvoir avoir le temps de la voir bouger, de la voir répondre, et d'avoir tout ça. Le plus dur, c'était d'arriver à faire comprendre au lecteur dès le début que ça allait être ce mode de narration-là, et qu'on allait jouer avec ce vocabulaire-là. Et c'est ce dont j'avais le plus peur dans ce livre. Et après, les crayons de couleur, c'était parce que c'était la technique au moment où je devais raconter l'histoire. Je me suis dit, tiens, j'étais en train de redécouvrir un petit peu le crayon de couleur, et je me suis dit, tiens, c'est le moment ou jamais si j'ai un album à faire, ce sera celui-là, et maintenant. On aura compris que tu aimes dessiner les filles. Ouais, Est-ce que c'est pas difficile justement hein, de faire un péplum après ça? C'est un défi? Est-ce que ça Oh, fait c'est un partie du. plaisir, c'est un réel plaisir. Ouais, vraiment? Donc pour l'Empire. Ouais. Non, non, c'était super de retourner sur quelque chose d'épique, de retrouver des personnages, parce que vraiment le goût du chlore, dans mes yeux, c'est une certaine partie. Après, j'avais fait Amitié étroite, où j'avais reconstruit, enfin, j'avais refait un peu des personnages, et là, c'était l'Empire de. On crée sa propre équipe avec des mecs qu'on va aimer pendant tout l'album, et ça, c'est vraiment un plaisir. On retrouve une sorte d'âme d'enfant à aller voir conduire, et on a là, par exemple, dans le tome 2, il y en a qui se font blesser, et c'est toujours très dur de devoir dessiner des choses comme ça. Même là, il risque d'y avoir des choses un peu plus douloureuses encore à dessiner dans le tome 3, et ça va être très compliqué. Avant de dessiner, tu souhaitais nous présenter et commenter des images fortes qui t'inspirent. On peut peut-être passer à ce moment de la Ouais. rencontre. Après, j'ai ramené deux, trois, quelques images juste pour illustrer un peu la rencontre. Voilà. Alors, Matsumoto, c'est Donc, ouais, bah, tout d'abord, ouais, voilà, Matsumoto, pas l'auteur Ping-Pong. d'Albator, l'autre. Comment? Il y a deux Matsumoto, il y a Ah, celui lui, qui fait Albator, enfin. Capitaine Albator, et puis la ping-pong. Ouais, là, c'est Taiyu, là, Taiyu Matsumoto, qui est pour moi un des. Il a réalisé dans une BD ce que j'avais jamais rarement lu dans d'autres. C'est qu'il y a vraiment une BD où, sur 5 volumes, on est porté par cette histoire de deux mecs qui font du ping-pong. Et c'est un exercice de mise en scène, de dessin. Enfin, s'il y a peut-être une BD pour moi, je qualifierais de parfaite, c'est celle-là, en 5 tomes. Et donc, c'est un peu. C'est le genre de truc que j'avais lu au début. Et je m'étais dit, tiens, on peut faire ça en BD. Et Avec allons-y, quoi. des cadrages très dynamiques, c'est une chose qui frappe aussi Voilà. dans ton travail, c'est le choix des angles et Ah, un vrai travail de voilà, mise en scène. voilà pour le coup d'arriver à rendre un match de ping-pong, même si j'aime beaucoup le ping-pong, mais assez passionnant et surtout filmique, quoi, parce qu'ils ont essayé d'en faire un film après qui marche pas du tout. Non.
Et là, dans la bande dessinée, ça, c'est vraiment terrible, quoi. Après, ben, d'autres, des gens comme Corben, voilà, qui ont un peu marqué mon enfance, qui les Tortues Ninja de Eastman et Corben, qui juste picturalement ont donné pas mal de vocabulaire, de forme et d'idées, comment est-ce qu'on pouvait représenter le volume, comment on pouvait représenter la couleur, les personnages. Comment tu as eu accès à Corben? Parce que c'est Pardon, un. avant c'était Bisley, Oui, excusez-moi. oui. Et là, maintenant, c'est Corben. Ouais. Ouais. Comment tu as eu accès à Corben, qui est un auteur peu traduit maintenant? Enfin, c'est surtout un auteur qui était dans Métal Hurlant, Bah, parce qu'en fait, dans la bibliothèque de ton père, ou quelque chose comme ouais, ça, non? exactement, ouais, je viens d'une famille où ça dessinait un petit peu. Et donc, il y avait ça dans la bibliothèque. Très vite, on allait à Album avec mon petit frère pour acheter des comics. Et donc, on a un peu. On est, quand je suis tombé sur Corben, ça m'a vraiment marqué. Je trouve ça tellement érotique et sensuel. Bon, là, c'est un peu violent, mais il y a vraiment un truc de la chair, quoi. Il y a vraiment un truc de la chair que je trouve hyper fort. Bon, là, c'est dans Den de Corben. J'adore les couleurs, l'ambiance, tout. C'est vraiment super. JP, aussi quelqu'un qui sait raconter des histoires et qui prend le temps de les raconter. Là, c'est Les Innocents, mais il y a Le Local, Note pour une histoire de guerre et tout. C'est beau. Ah, puis bon, le mec, son sang qui se balade un peu en aquarelle, en dessin et tout. Miyazaki. Miyazaki, normal. Et je crois qu'il y a un mec qui arrive à raconter des histoires aujourd'hui et qui a tous les moyens pour le faire, c'est lui, quoi. Il y a vraiment. C'est assez magnifique. Et bon, après, bon, là, toute autre chose. Là, c'est juste pour. J'ai mis aussi des images, ben, un peu de mon travail. Voilà, ce qui est important au début, c'est juste dessiner pendant toutes les études, pendant tout. Quand on aime ça, on dessine, on prend le temps, on se pose, on prend des carnets, on prend des attitudes, on fait un peu cherche du vocabulaire. Donc, j'essaye de faire ça pendant les vacances, vu que je dessine plus trop. Vraiment avoir un dessin assez lâché, ça c'est je pense que ce que tout le monde fait, et c'est important. Là, c'était dans une pizzeria, on dessine Freddie Mercury à la télé. Bon, bien sûr, il y a la vie sociale qui va avec, hein, il faut pas non plus. Voilà, quand on passe son temps à dessiner. Oui, pour la Voilà, personne qui est en face de toi, ça peut être intimidant, effectivement. ouais, voilà. Non, voilà, un peu de mouvement, voilà, des choses. Un peu de piscine, c'était pendant les vacances. Donc, c'est des choses qui sont importantes, je pense, que quand on veut faire de la BD ou raconter des histoires, des choses comme ça. C'est un dessin qui est plus libre que dans la bande dessinée? Oui, voilà, là, c'est vraiment de retrouver le plaisir de juste dessiner, accumuler des formes, du vocabulaire, regarder comment les gens bougent, regarder leur morphologie, comment est-ce que ça se passe. Après, une autre chose aussi que j'ai fait pas mal aussi, c'est de mettre après en forme ce qu'on a vu, des illustrations. Voilà, c'est un peu vide. Là, c'est tout bête, recopier une photo, des choses comme ça. Quand il y a des choses qui nous intéressent, on est un peu comme un disque dur, on accumule les choses qui nous plaisent. Bon, là, Ah, on peut après, s'arrêter. c'est. Et puis après, comment? C'est important, je crois. Voilà, Faut après, c'est des choses commenter. qui sont importantes. C'est aussi quand il y a des choses qui nous interpellent, qui Oui, mais il faut en nous parler, ça. fascinent. On Non, fait. non, ne passe pas, Penélope Cruz. Reviens à Penélope Cruz. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Penélope Cruz? Non, mais c'est juste parce que au moment où. Alors que je la trouve très, très jolie, mais voilà, enfin, il y a des milliards, il y a plein de filles qui sont très jolies aussi. Mais Penélope Cruz, c'est juste qu'elle représentait quelque chose, un truc, une image. Et je crois qu'il y a quelque chose de bien, qui est très important, enfin, chez moi, qui est assez important, c'est l'image. Ça m'a causé beaucoup de problèmes dans mes relations. C'est à chaque fois, on a une image, que ce soit la femme, l'homme, la sexualité, n'importe quoi, tout, enfin, tout est une sorte d'image, tout est sacralisé. Et après, on rend des hommages en faisant de la BD, on se sert de ces images qui représentent pour nous des fantasmes, des rêves, de n'importe quoi. Ça qui est assez. Et Penélope Cruz, c'était juste qu'à ce moment-là, je me disais, tiens, une femme, je vois bien Penélope Cruz. Bon. Parce que c'était récurrent sur ton site quand même. Voilà. Et puis je me suis dit, tiens, c'est un beau symbole, ça parle, et puis ça me parle. Et donc, D'accord. c'est porteur et ça donne envie de faire des petites histoires. Tu lui as envoyé? Non, mais Non. j'avais fait 2 pages qui étaient sorties dans Libération et pendant le Festival de Cannes. Et je me dis qu'elle a sûrement dû les voir. Oh, sûrement.
et qu'elle n'a pas pris le temps d'aller sur mon blog, de chauffer mon mail, de m'écrire. Ouais. Donc bon, c'est pas grave. Aussi, un truc important qui quand même a marqué toute mon adolescence, c'est Capcom, c'est Street Fighter. C'est juste que j'ai passé mon temps à faire des fan art, à faire des hommages à ces gens-là qui ont laissé le jeu vidéo. Et je pense que c'est quelque chose qui est commun avec ma génération, peut-être d'auteurs qui ont grandi avec le jeu vidéo, qui ont grandi avec Miyazaki, qui ont grandi avec toute la Japanime. C'est forcément, il y a un truc où on a le dessin tout d'un coup qui devient extrêmement filmique et extrêmement dans la mise en, une mise en scène très cinéma, comme le manga. Et donc c'était fait d'avoir, j'ai passé mon temps, toute mon adolescence à dessiner les personnages. Bon là j'ai fait au jour d'aujourd'hui, je continue toujours. Mais l'incommunicabilité en fait. Dans comment fait. L'incommunicabilité dans exactement, fait, parce que c'est des gens qui se battent, donc ils n'ont pas beaucoup de place temps, pour s'aimer. Mais c'est important. Et après, voilà, on rentre dans le vif du sujet, qui est la naissance d'une bande dessinée. Alors, ça commence avec... Il y a des choses comme ça qu'on... Qu'est-ce que c'est, y a des... c'est ça, c'est des photos... C'est des trucs qu'on trouvait sur Internet, voilà. C'est des, voilà, du balade, on voit ça sur Internet, on se dit, tiens, il y a quelque chose, et puis on avait en même temps, on pense à une histoire, on pense à des choses, on est interpellé, on met ça un petit peu, on note Non, mais je veux dire, on a juste envie de faire une bande dessinée quand il y a trois personnages qui et sont c'est faits. Pas des amis à toi, ce sont des non, amis. Non, du tout. Mais voilà comment est-ce qu'on commence à... On écrit des choses, on pose petit à petit, on laisse grandir les envies, on commence à... Surtout, il faut prendre le temps que ça décante, que tout décante, quoi. Et donc... Qu'est-ce que ça t'inspire, ces photos ça... Mais moi, il y a quelque chose de juste dans les personnages, dans les gueules, et on se dit voilà, parce que je pensais à quelque chose d'adolescent, et quand on voit des gueules comme ça, on se dit putain, il y a vraiment des personnages. Tu les vois qui pas se, dans la font, réalité. T'as besoin de passer. Comment tu les vois pas dans la vraie vie. Tu si, dois passer par. On les voit, et après, c'est aussi important. Quand je parlais d'images, c'est important aussi d'avoir des images, d'être entouré d'avoir des choses où on peut repasser dessus, et on se dit tiens, il y a quelque chose, quoi. Et donc. Après, voilà, là, c'est une planche, le storyboard d'une double page de Elle, la scène où Charlotte et Renaud sont sur la plage. Donc voilà, là, tu installes un peu les différentes masses, l'enchaînement des images. Ouais, des voilà, séquences. Là, c'est juste comment est-ce que on va raconter l'histoire. Alors là, on a juste les personnages, c'est pas très important d'avoir les expressions, d'avoir tout. On place un peu les phrases qui sont importantes. Là encore, j'avais même pas écrit les dialogues, je les écrivais à la fin. Je m'étais juste là, elle devra dire un truc. Bon, on peut voir la pertinence des dialogues qui sont quand même assez. Bon, ça va pas très loin, mais c'est juste pour se dire, ok, à ce moment-là, il aura telle réaction, telle chose. Et après, une fois qu'on a ça, on passe. Moi, je passais à une étape où voilà, je dégrossissais un petit peu les personnages, retrouvais un petit peu les attitudes, cherchais deux trois choses. Ça, c'est sur ordinateur, ce qu'on vient voilà, de dire. Voilà, c'était toujours sur ordinateur. Là, c'est là, on passe sur ordinateur. Après, il y a le trait. Donc ça t'évite de faire les cases déjà, qui est quand même aussi... Comment ? Ça t'évite le côté très laborieux de tracer toi-même les cases. Ah ouais, bah là pour le coup là j'y allais avec la touche magique, j'y allais avec tout droit là, avec le trait. Et après maintenant je prends le temps de tracer les petites cases. Ouais. Bon là c'est un peu sombre, mais voilà à la fin quand on pose la couleur, on a le trait et on a les personnages. Donc ça c'était les planches de elle avec. Un personnage, c'était la première. Et les personnages n'ont rien à voir avec les photos qu'on a vues avant, c'était non, mais ça n'a rien à voir, mais ça fait partie, ça a nourri en fait tout oui, le oui. processus créatif, et c'est d'accord. ça qui a, c'est bien d'alimenter les choses, de remettre un peu à neuf, et même d'avoir presque une image sur laquelle on part, et après de cette image, on va commencer à imaginer plein de choses. Donc là, après, c'est j'ai sauté Hollywoodienne, mais après, donc il y avait le goût du chlore. C'est les recherches de couverture. Ouais, c'était une première recherche, ça marchait pas très bien. Et là, c'est un scénario. Comment est-ce que voilà, le scénario de là, ça, par contre, ça, c'est l'Empire, mais bon, je sais pas pourquoi j'ai mis là. Mais en gros, là, vous pouvez voir que là, il y a tout le tome 1 qui est écrit. Voilà. Donc, ça va assez vite. C'est en collaboration, ce. Voilà, c'est en collaboration avec Merwan Chaban. Mais voilà, on a le camp, la marche, Baston, la marche, les barbares. Et là, non, en fait, non, on a les trois tomes qui sont écrits. Il y a le deuxième tome. Et c'est ce qui est le plus important, c'est la trame. Au moins, on a tout qui est écrit. Et c'est ça qui. Hergé faisait pareil, hein.
Mais il y avait moins de cul. Et donc voilà, là c'est le goût du chlore. Un croquis de base où c'est bon, j'avais trouvé mon personnage féminin. Deux, trois recherches pour essayer de voir comment est-ce que ça se passe. Bon, un peu, j'avais une doc pour quand même essayer de dessiner des mouvements à peu près corrects. Les personnages. Et là, donc là, j'y allais avec directement à l'ordinateur où j'avais à peu près ces trucs. Donc là, on a à peu près les attitudes, mais le dessin n'y est pas encore. On a encore le. C'est juste pour à peu près avoir une vision de comment est-ce que ça va être dans la page et pouvoir commencer à peu près sa mise en scène, savoir que bah là, ils sont. Quels sont les moments où on va la mettre en valeur, où les paroles vont être mises en valeur. Et surtout, après, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tout le storyboard est fait, on peut le lire et c'est qu'à ce moment-là où on se rendra compte si c'est agréable ou pas à lire, ce qui est le plus important, quoi, d'avoir à peu près quand on a tout storyboardé. Donc après, on passe directement. Bah, vu que là, il n'y avait pas beaucoup de décors et tout ça allait quand même assez vite à faire. Là, c'est dans mes yeux. Donc on fait quelques croquis. J'ai mis juste deux, trois planches. Donc là, par contre, je travaillais avec chaque fois des dessins séparés. Et après, je recomposais tout parce que j'ai énormément de mal à dessiner petit et grand dans la page. Après, Amitié étroite. Monsieur Jacques Brel, qui a bien inspiré le personnage principal. Tu écoutes de la musique en dessinant? Ouais, pas mal. Je pense comme tout le monde. Hein, le nombre de fois où on marche comme ça avec son Walkman, on se dit bah tiens ça y est je fais mon film, je vois ma bande-annonce, je vois mon truc, on se fait son petit cinéma, mais bon après on se dit bon allez je vais essayer de refaire un peu de dessin animé en fait bon ça nous refroidit tout de suite. Donc là c'est toujours sur Amitié 3, donc c'est des images qui des trucs qui inspirent un petit peu pour recréer des personnages. Ouais, c'était un peu voilà les bouches, des choses qui marquent, les paysages. Et puis après, voilà, c'était les premiers dessins de Bruno, qui a quand même évolué pendant le bouquin, durant tout le truc. Premier dessin de Francesca. À chaque fois, j'essaye de me faire une sorte de schéma type. Le plus important quand je dessine les personnages, c'est d'avoir une bonne caractérisation, de savoir que là, c'est sûr, la tête de Bruno, elle ne ressemblera pas à comment est-ce qu'il est dessiné dans le bouquin. Mais on sait qu'il y a ce côté, cette morphologie, là, les bras assez longs, assez maigres. Elle a toujours une espèce de sourcils assez froncés, des yeux plissés, avec un long nez. Et de ça, on peut commencer à mettre les personnages. C'était Enzo, le premier dessin d'Enzo. Alors c'est très morphologique, ça dit quelque chose de leur psychologie pour Ouais, toi? bah, en fait, j'aime bien quand même avoir. Ça dépend pour certains personnages, mais il y a des choses comme ça où, par exemple, il y a des gens qui ont vraiment la tête. Ils ont, je sais pas, c'est des enfoirés, ils ont une tête d'enfoiré, et puis ça sera comme ça. Et puis il y a des gens qui ont des belles gueules, et puis ils seront super sympas, et puis voilà. Mais c'est quand même agréable d'avoir des personnages où on se dit juste, caractérisation, ce qui est important, c'est qu'on les retienne, c'est qu'ils nous marquent visuellement. Après, il faut les faire jouer. Après, un mec qui est juste hyper calme, avec un petit sourire, et qui dit des phrases assassines, ça marque encore plus que, je sais pas, quelqu'un qui va crier, et tout dépend de comment est-ce qu'on va les faire jouer. Donc le design et le caractère des personnages n'a pas vraiment, pour moi, ne regroupe pas. Je peux très bien la designer elle en me disant qu'elle aura telle attitude, autre chose. Ça dépend de. Alors les vêtements aussi, tu trouves Ouais. ton inspiration, Bon, ouais, tu là. dessines de mémoire les vêtements? C'est toujours un peu. Oui, c'est de mémoire. Et puis c'est parce que j'ai vu des gens comme ça dans la rue. Parce que j'ai Donc dit, ah tiens, c'est pas mal ce truc avec tu as machin. développé une bonne mémoire visuelle, c'est important quand même. Ouais, dans le dessin, au bout d'un moment, ça vient au fur et à mesure, quoi. Mais je pense pas non plus avoir une mémoire visuelle plus poussée que d'autres gens. C'est juste qu'il y a des moments où quand on a un truc quand on retient quelque chose, et ben on le retient et on enlève autre chose au détriment. Donc après, il faut juste faire des choix. Si on décide de dire, ah bah tiens, je vais garder dans ma tête comment est-ce qu'elle était habillée. Bah on va oublier un autre truc qui était peut-être plus important, mais bon, c'est comme ça. Là, j'ai fait les couleurs avec Romain Tristram, et donc là, la difficulté était simplement d'avoir c'était sur des aplats, et c'était que des aplats dans le monde réel, et après, quand on passait dans les flashbacks, c'était tout un travail en teinte, donc très photographique. Donc on a fait ça.
Ensuite, bon là, je passe toujours à la mise en scène L'Empire, avec Nicolas Karabatic, qui a bien inspiré Glory, une petite peinture de Jérôme pour le délire, La Petite Troupe au complet, et Les Planches, avec les jolies couleurs de Sandra Desmazières. Il nous a fait un beau petit travail de fresque. C'était L'Empire qu'on avait fait avec Merwan. Et ça, c'est le projet qui va sortir là en février, sur la danse classique, sur la vie d'une petite danseuse qui va s'appeler Paulina. Et j'avais envie de raconter quelque chose sur l'art. Donc la danse classique, c'était parfait pour pouvoir raconter ce que j'avais envie. Donc la petite. Il y a une bande-annonce sur Internet Ouais, j'avais actuellement. fait une petite. Le choix de la chanson de Léo Ferré. Bah, Enfin, Ferré. ce n'est pas des paroles de Léo Ferré, d'ailleurs, c'est Francis Claude qui a Ah écrit ouais? le texte. Ouais. Ah, je savais pas ça. Le patron du Miller Larsouille, où a débuté Gainsbourg notamment. Ok. Et pourquoi cette chanson qui est, en Parce fait, que, qui est, enfin, on peut résumer en deux mots la vie d'artiste et le décalage qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui. Enfin, entre un couple et quelqu'un qui se consacre d'abord à l'art avant peut-être de se consacrer à son couple. C'est une thématique du livre ou En pas fait, vraiment? oui et non, parce que ça apportait un truc, mais c'est vraiment sur l'art déjà. Donc oui, après le couple, peut-être un peu moins, mais c'est vraiment surtout la vie d'artiste. Il y a quand même, ça me fascine, comme le poème de Ronsard de Lorsque vous serez vieille à la chandelle. C'est des choses qui me, je trouve ça magique de se dire qu'on peut laisser une trace dans l'éternité et l'amour peut-être pas. Donc il y a quelque chose qui m'a donné pas mal à réfléchir. Donc j'avais fait ce bouquin un petit peu en hommage à qu'est-ce que l'art pour moi. Et donc voilà, ça c'est des pages de Paulina. Petite Paulina. Et donc là ça va. Donc c'est tout en noir et blanc. Et j'ai utilisé le blanc comme masse pour. Dès qu'ils dansent, ils sont tout en blanc. Dès qu'ils sont habillés, il y a juste leur peau qui sont blanches pour essayer de mettre en valeur les choses. La couverture normalement qui sera pour février. Avec la petite, avec son professeur, Monsieur Boujinski. Et voilà. Merci. C'était le truc. Est-ce que vous avez des questions, peut-être à partir de ces images, avant de voir Bastien dessiner? N'hésitez pas à manifester. N'hésitez Il y a un surtout micro pas. qui est sur le côté. Non? Bon alors, Pas de maestro. problème. Alors, là, pour le coup, j'ai ramené la planche que j'étais en train de faire, enfin que j'aurais dû faire aujourd'hui, mais que je n'ai pas faite, sur l'Empire, le tome 3. Oh, j'ai un peu une vieille bête, du temps. Hop. Donc On voilà à peu voit. près ce que j'ai pour commencer. J'ai le storyboard. Avec les. J'ai tracé quand même les cases. Donc là, j'ai un peu quelques dialogues pour savoir à peu près ce qu'il faut que je raconte, les intentions des personnages. L'emplacement des bulles, j'imagine aussi. L'emplacement. Ouais, Non, voilà, pas ouais. forcément. Et très grosso modo. Donc hop. Ah oui, là, c'est vrai que ça va être un peu déformé. Alors, tac. Est-ce que c'est. Donc là, je vais faire juste la mise en scène, mais 2 secondes. Juste. Ok. C'est bon. Ouais, c'est un peu plus flou, mais parce que c'est. Sinon, c'est déformé chez moi. Donc voilà, alors, on crée un calque. Donc là, bon là, je ne sais plus trop ce qu'il y a sur cette case. là, ils doivent se réunir. Bon, c'est une vue de dessus, c'est un peu compliqué. Là, on a Glorim qui est là. Donc on va juste préciser un petit peu. Là, c'est ça le grand bonheur avec cet outil de l'ordinateur, qui est qu'on peut zoomer. Donc là, le petit Glorim qui annonce un peu la vérité sur l'Empire. Hop.
Là, il y aura sûrement Kalma qui sera derrière. Son bras droit. Et là, c'est nos amis romains qui sont juste en face. Et là, c'est vraiment juste pour poser un petit peu, savoir comment est-ce que. Là, il est en train de gueuler, donc il est pas très content. Donc une fois qu'on a posé un peu les personnages. Là, c'est vraiment juste pour dégrossir, savoir quelle taille morphologiquement ils vont avoir dans dans la case. Tiens, là, son pote qui le mate. Et tiens, en même temps, sa petite lance. Et donc, une fois qu'on a juste. Voilà, comme ça, histoire de ne pas passer 3 heures à faire le truc. J'ai mon autre petit calque. Ça, on va baisser l'opacité pratiquement au maximum parce que sinon. Sinon, on a tendance à décalquer. Le grand problème. Donc là, je sais pas où c'était. Donc là, une fois que j'ai ça, je vais baisser encore un peu plus. Et là, on passe avec un trait que j'aime bien, qui est un trait sans dynamique de forme. Ça fait comme si c'était un stylo sur. Sur le c'est un stylo, il y a aucune il n'y a pas le côté mou du pinceau. Oh, tiens, ce trait est un peu raté. Donc là, on peut avec ce trait-là, ce qui est agréable, c'est qu'on n'a pas besoin de repasser par-dessus, on n'est pas tenté de refaire, de repasser sur le trait, de rigidifier tous les personnages. Vu que là, on avait choisi ce trait-là avec Merwan, déjà pour unifier un peu pour unifier nos. Merde, attends, je bloque un petit peu. pardon. Pour unifier après le rendu, qui est Est-ce que vous que. dessinez tous les deux aussi, en fait? Exactement. Donc, Tu peux expliquer ça peut-être? Vous ben envoyez les. on découpe tout l'album à deux. Chacun, bien sûr, on a écrit toute l'histoire à deux. On fait les passes sur le scénario dont on a besoin. Et une fois qu'on a découpé, qu'on a toutes nos séquences, on se répartit les séquences. Donc, on commence, on fait alors. Qui c'est qui prend l'orgie, qui c'est qui prend la bataille. Et donc, chacun choisit. Et bon, ce qui est assez cool, c'est qu'on arrive à très vite à. On s'entend bien, donc on se tape pas dessus pour prendre la séquence qu'on préfère, ou je sais pas quoi. Donc, chacun prend les petites séquences et au fur et à mesure, on dispatche un peu le gros du travail. Et après, c'est Sandra qui vient mettre. Les couleurs par-dessus pour unifier un peu tout ça. On a ce petit Romain, là, son pote. Et ouais, et vu qu'il y a pas mal d'armures à dessiner, pas mal de personnages, de cases, là j'avais fait toute l'entrée dans l'espèce de cité interdite comme ça là. Et donc si on a un trait, enfin comment dire, si on a un outil qui on a tendance à qui est pas forcément précis, on peut pas avoir de détails, on peut pas avoir de choses comme ça va être très très compliqué. Et donc c'est pour ça on a pris cet outil-là qui force à être le plus synthétique possible.
et le plus simple possible. Par exemple, pour la danse classique, vu que j'avais pas besoin d'avoir d'histoire de volume, j'avais pas besoin d'avoir tous ces trucs-là, j'avais besoin juste d'avoir une notion de mouvement. Il fallait que j'ai un trait qui soit en rapport avec le propos. Donc j'avais pris une sorte de grosse brosse qui permet d'avoir. Qui permet d'avoir plus de fluidité, quoi. Et donc là, hop là, où est-ce qu'ils sont passés? Passe sur un truc où là c'est une scène où au niveau de l'histoire là ils doivent se je sais plus ce qu'ils font ils se check hein. Attends ça déjà je vais baisser Non, du tout, mais comment dire, il y a un truc, et quand on a écrit l'histoire à deux, j'ai fait la même chose avec Michael aussi, c'est des gens où on sait qu'on peut faire ça, on sait qu'on a la même vision, enfin pas la même vision, mais on a à peu près les mêmes soucis du dessin, on a la volonté d'écrire et de faire une histoire commune. Moi, mon dessin dans l'Empire, c'est pas forcément mon dessin. Je peux dire naturel, parce que je pense pas qu'il y ait un dessin naturel ou quoi que ce soit, mais on c'est pas forcément On s'adapte, quoi. ouais, il y a un truc où on mixe en fait, c'est que le trait de Merwan c'est un tout petit peu plus, on va dire, pas lâché, parce qu'il a un trait qui est quand même assez beau, mais il a travaillé un peu plus dans la masse, et puis moi, mon trait, j'ai essayé de le cadrer un peu plus, quoi, d'éviter que ce soit un peu les doigts boudins partout, enfin des personnages un peu boudins partout. Donc essayer d'avoir un truc qui soit tenu, des cadres Qu'est-ce que qui c'est un soient. personnage boudin? Non, mais j'ai dit boudin parce qu'en fait on a des tendances à les gens au Gobelin me charrier là-dessus parce que j'ai tendance à faire un peu des personnages un peu pas mou, mais il y a un côté Oui, où nonchalant, on va dire, quoi. voilà, on n'aime pas trop ça dans l'animation. Et on fait. Non, mais le côté, voilà, où le volume, la perce et tout ça, c'était pas forcément le truc qui me branchait le plus. Et donc, non, au fur et à mesure, ce qui est bien, c'est que travailler après sur l'Empire, si on retrouve un plaisir du dessin, volume, limite pas. Ouais, construit, quoi, mais. Les compositions sont assez travaillées dans les livres qui sont déjà parus. Bah ça c'était un des trucs qui m'a plus plu à faire, c'est que chaque cadre c'était il fallait que en fait il fallait qu'à chaque cadre ils aient la classe d'une certaine manière. Il y a jamais un moment où il faut qu'ils glorifient, qu'ils soient un peu je sais pas, qu'ils soient une attitude un peu pourrie parce que tout de suite ça retombe. Là au moins donc chaque cadre les mecs il faut que ce soit les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Et ça c'est un truc aussi que j'aime beaucoup les meilleurs des meilleurs tout ça là. Et vous avez chacun votre Cette génération Top spécialité? Gun. Vous avez chacun votre spécialité quand vous faites une BD comme ça? Enfin, chacun plus qu'un autre fait par exemple l'architecture Ah non, chacun on a la séquence, on borde la séquence et normalement tout se passe bien quoi. Donc il y a pas vraiment de problème à part il y a juste deux trois trucs c'est que en fait par exemple, moi j'ai posé la trame du scénario parce que peut-être que je me sentais plus à l'aise que Merwan ou comme ça. Lui après Merwan a repris tout le séquentiel, a refait une grosse partie de la mise en scène aussi. Ça c'était assez bien. Il a refait aussi, c'est lui qui réécrit tous les dialogues à la fin parce que bon moi je suis un peu du genre ouais ça va c'est cool comment tu vas donc à l'Empire pendant l'Empire c'est pas trop ça le fait pas trop donc là avoir un truc un peu ça en jette quoi avoir des beaux dialogues.
Donc en gros, vous avez vu tous les grands péplums ensemble, vous avez noté. Ouais. Bah, en fait, il y a péplum, mais c'est surtout qu'il y a le comment dire, c'est un peu comme dans les films, je sais pas, de Miyazaki, dès que c'est des grandes aventures, des grandes odyssées, c'est juste qu'il y a un petit. Faut être dans le ton, quoi, c'est tout, faut essayer d'être dans le ton. Donc, voilà. Là, il y a le petit calme derrière. Au niveau de la documentation pour les armures, ça a été quelque chose de sérieux ou c'est hollywoodien, ouais, c'est dans le sens un peu. Non, là pour le coup. Ce qui était pour plus le coup, esthétique. Je suis assez. Genre, pas trop de documentation et tout ça, parce que j'ai toujours peur de que ça nuise un petit peu au travail, à l'imagination et tout ça. Mais là pour le coup, pour les armures romaines, j'avais un bouquin où il y avait des mecs qui avaient fait pas mal de reconstitutions. Et donc, on avait toutes les armures. Et c'est de là où, par exemple, juste en regardant une image, il y a un mec qui porte une armure avec une sorte de casque fermé. Et on se dit, c'est bon, c'est Kalma, on l'a trouvé, il n'y a plus qu'à le reprendre et c'est parfait. Tu travailles dans un atelier ou tu es seul? Eh bien, je suis seul. Ouais. Non, je travaille dans. J'ai un atelier à Federbshalnib avec Merwan, vu qu'on est face à face, D'accord. ce qui permet de pouvoir communiquer assez facilement. Et je suis. Ma voisine d'atelier, c'est. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ici, mais c'est cette chère Marion Montaigne qui fait pas mal d'illustrations jeunesse, qui est assez. Fait mal le truc, il y a pas mal de styles différents, et ce qui est agréable dans un atelier, c'est de pouvoir garder cette émulation qu'il y a quand on est à l'école. Parce que je crois que de dessiner tout seul, c'est vraiment très difficile. Même si c'est quand même, à chaque fois on dit que c'est un métier solitaire, mais on n'avance pas si on est tout seul. Si on voit personne, ça m'a fait énormément de bien quand j'étais au lycée, enfin pas au lycée, mais pendant mes études à Penguin, où il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui dessinait, c'était du graphisme. Et je postais sur des forums, dont un où j'arrêtais pas nuit et jour, qui s'appelle Katsuka. Et c'est là-dessus où il y a toute la Japanime et tout ça, et tout le monde dessinait là-dessus. Et il y avait pas mal de gens qui étaient au Gobelin, alors que moi j'étais encore dans une petite école de graphisme. Et on voit des mecs, on voit des styles de partout, des gens qui ont notre âge et qui sont des brutes énormes, et donc on se dit, on dessine, et c'est génial, on a la vie de plein de gens, et je sens que c'est vraiment des trucs qui font progresser, quoi. Dessiner tout seul, au bout d'un moment, on tourne en rond, et on peut pas peut-être finir sa vie comme ça, tout seul, face à la mer, avec son dessin, et ouais, pourquoi pas, mais après c'est un peu difficile. Non, enfin, surtout pour les études, c'est ce qui compte le plus. Qu'est-ce qu'il fait? Mais ça nuit pas à la concentration, ça va. Comment? Ça nuit pas à la concentration. Non, non, puis il y a les casques au pire. Hein. Quand les filles, elles commencent à gueuler un peu, ben on met. Même si ce n'est absolument pas. Mais il y a beaucoup de filles dans l'atelier, donc c'est pour ça que. Ouais. Dès qu'il se passe qu'il y a un truc, je sais pas, ça gueule. Et donc on met les petits casques et tout se passe bien. Et là, par exemple, le fait d'être en public, apparemment, te déconcentre pas particulièrement. De quoi? Si, si, là, je fais Si. n'importe quoi depuis C'est vrai? le début. Mais j'essaie de garder un certain aplomb. Là, je sais même pas ce qui. C'est qui? Bah oui, c'est Glorim. Hop là. Hop. Et bah voilà, on a Glorim.
Non. Et ouais, bah, ça, c'est un truc quand on a designé les personnages avec Merwan, ce qui est assez, parce que lui aussi, il vient du dessin animé, il était aux Arts Déco, il a fait pas mal de courts-métrages et tout ça, qui sont d'ailleurs vachement bien. Et il y a un truc quand même qui était bien, c'est que vu qu'on avait travaillé tous les deux un peu dans le dessin animé, enfin, moi, j'ai pas travaillé très longtemps, mais dans la création des personnages et dans juste la méthode de travail pour faire cette BD, on était plus à l'aise parce qu'on avait un personnage qui est designé, on avait des références, on savait comment les gérer, et surtout quand on a designé les personnages, il fallait les caractériser, et ça c'est un des trucs que j'avais pas forcément très bien compris au début, et que je commence à comprendre au fur et à mesure, et qui est essentiel, c'est vraiment cette caractérisation des personnages. Qu'est-ce qui fait que les personnages de Capcom, ils sont juste, les personnages de Street Fighter sont juste super à dessiner, que tout le monde les repérait, même si quelqu'un qui a jamais joué à Street Fighter, on lui montre une image de Ryu, il sait qui c'est, parce qu'il a un bandeau rouge, parce qu'il a des épaules coupées, parce qu'il a ceci. Et tout de suite, j'ai pas, même par exemple, je sais pas, Titeuf, n'importe quoi, il y a un truc dans la caractérisation. Et vu qu'on a eu toute une équipe à caractériser, il fallait que chaque personnage, on se sente bien, et il soit pas du tout caricatural, mais on se sente bien que. On dit, ah, mais lui, c'est Forto, et même s'il est dessiné par Merwan, même s'il est dessiné par moi, même s'il est dessiné, je suis pas n'importe quelle autre personne, on se dit, ah, mais c'est Forto, c'est toujours Forto, parce qu'il a. Il a ce nez un peu crochu, il a cette grande mâchoire, et ça qui fait le... Et c'est ça qui est important quand on a fait cet album, et c'est un réel plaisir de design de pouvoir se dire qu'on a une équipe qui sont les meilleurs des meilleurs à designer, quoi. Là, j'ai fait des épaulettes de Romain, mais il n'avait pas du tout d'épaulettes de Romain, Glory, mais... Il a une petite tenue. Et ça qui est bien, c'est que par exemple, là, je serais sur une petite une planche avec un Tipex, et puis j'aurais commencé à saloper toute ma planche. Et moi, j'y arrive pas. Tout de suite, ça devient dégueulasse. J'ai les mains noires. C'est ça qui est assez agréable dans la mise en scène. Puis si jamais là, je me dis, tiens, Glory, il n'est pas bien en fait, parce que j'ai pas la place pour Calma, et ben je vais le mettre un petit peu comme ça, et puis s'il est un peu plus gros, je le mets comme ça, et voilà, hop, ouais, ça y est, j'ai montré que je triche. Contrôle D. Hop. Voilà, c'est le Photoshop de base. Ouais. Bah, moi je l'utilise à 5% de ce que ça vaut, hein, mais c'est juste, il faut juste avoir juste les calques, et puis je l'ignore, mais... Ah oui, là, puis là ils lisent tous Donc évidemment il n'y a plus de planche originale, donc plus Et non, et plus ben, de plus ventes d'argent, d'originaux, plus voilà, c'est d'argent, ça. plus rien. Non, non, ouais, il y a pas de à part dans mes yeux qui sont les seuls originaux, pas grand-chose, hein. Ce qui est, ça, c'est le seul point qui m'ennuie quand même, parce que j'aime bien avoir les trucs dans les mains, même si je trouve ça super d'avoir le bouquin. C'est quand même, quand je tombe sur les planches de Corben, je me dis, oh putain, c'est quand même cool de voir des planches comme ça. Je tomberais sur une planche de Matsumoto, je me dirais, putain, c'est quand même pas mal. Alors que si je tombais sur un fichier PSD de Matsumoto, je sais pas trop si. En même temps, tu es sûr de ne pas être trahi à l'impression. Ah, quoique, je te fais des Ah. bouquins chez Casterman. Hein. Ah oui. Caster, ils aiment bien. J'espère qu'ils sont pas là. Je sais pas. Veux dire qu'ils mélangent les pages, c'est ça? C'est arrivé. Ah, ouais, un petit problème, c'est pas très Bref. grave. C'est les aléas du métier. Hein. Oui. Puis de toute façon, personne n'y voit rien. Les dialogues ont été inversés, personne n'a rien vu. Alors, la tablette graphique, voilà, c'est juste pour le. Parce que sans cet outil, c'est vraiment très très difficile de pouvoir dessiner sur l'ordinateur. Il faut le faire avec une souris, mais on n'a aucune maniabilité ni rien. Avec la tablette graphique, si on en prend une qui est assez homothétique à l'écran qu'on a, c'est assez. C'est vraiment, moi je trouve que c'est un super bel outil. Il faut. Ah! Pardon, excusez-moi. Moi j'ai une Wacom Intuos.
le seul. Mais chez moi, enfin chez moi, à l'atelier, j'en ai une un peu plus grande parce que je travaille avec un double écran. Et donc, pour avoir quand même un truc assez homothétique, puisque si on veut commencer à faire du clean ou n'importe quoi avec une tablette qui est avec un assist, ouais, voilà, ou un truc comme ça, on devient fou au bout de 3 secondes parce que ça vole de partout, ça va trop vite. On va peut-être pas te faire dessiner toute la planche entière, même si on pourrait te regarder. Est-ce que vous avez il y a eu des questions confusées, donc je pense que vous avez des questions. Il vaudrait mieux qu'elles soient posées dans le micro pour les archives de la BPI. Attention. Eh oui. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Florence, tout en haut. Donc voilà, après on voit si ça a un peu avancé, on a avancé un peu. Oui, ça donne une vue d'ensemble aussi quand voilà. même. Voilà, donc c'est une belle case comme ça, puis on a le petit Glorim en dessous, puis là il regarde les petits papiers. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ouais, j'ai perdu un peu. Donc voilà. Pour moi ça va être une question qu'on a déjà dû te poser 1 milliard de fois, c'est par rapport au succès quand on est jeune. C'est-à-dire, moi je me souviens que j'étais à la caisse à la Fnac avec le goût du chlore. Ok. Et il y avait un type derrière moi qui avait à peu près ton âge, qui m'avait sorti Bastien Vivès, j'étais avec lui au Gobelin. Ouais, c'est cool, il est. Enfin voilà, il est bon quoi. Mais je comprends pas trop pourquoi il a tellement de succès, etc. Enfin, c'était un mec. En plus, il était bien. Il était comment? Il avait des dreads ou... Non, c'était un mec vraiment genre ceux que tu supportes pas. Ah, ok. Ceux qui sont beaux gosses, etc. Merde, alors, un beau gosse au Gobelin? Alors, attends, ça me... Un beau gosse dans l'animation? Il était plus style, genre, designer ou animation, ah, oui. Je sais pas. Ouais. Non, mais c'est... Mais donc non, par rapport au succès, on a déjà dû te la poser plusieurs fois, mais... Être, voilà, aussi jeune que toi, et avoir vraiment, dès le départ, avec elle, avec toutes ces... Ouais. Tout et puis même, je dirais plus loin que ça, être aussi jeune et avoir comme fan des gens qui s'appellent Munoz, Meubius, qui ouais. sont fans de ton travail, ça doit quand même aussi faire étrange. Bah ça fait plaisir, ça fait un peu peur, mais comme je disais au début, ça reste la bande dessinée, ça reste un milieu assez Tu as été adopté très vite par ces grands anciens qui te considèrent comme... Il y a eu un concert de dessin à Angoulême, par exemple, où je sais qu'il y avait Meubius dans la salle et Munoz avec toi sur scène. Et tu faisais partie de la famille, quoi. C'était pas le petit jeune. Hein, Non, mais ça booste l'ego, ça met une certaine pression. Et il faut voir les côtés positifs qui sont que on se dit que les bouquins sont lus, que ça donne un certain poids face aux éditeurs, et toutes ces choses-là, et ça c'est quand même assez confortable dans le processus créatif. Et puis après, confortable pour l'ego, etc. Plus que la jalousie, puisque la jalousie, de toute façon, je crois que à partir du moment où on s'expose, ça déjà dès le goût du chlore, je pense que toute la jalousie a dû être mise de côté, parce que dès le goût du chlore, on commence à constater une vraie, je sais pas, une vraie révolution dans ce que tu fais. Ah bah c'est très. Enfin pour moi le goût du chlore c'est le tournant d'un point de vue graphique, d'un point de vue scénaristique. C'est marrant, ouais, cet album est vraiment, c'est un accident parce que quand il est sorti, moi j'avais fait très très vite et de toute façon je m'étais dit bon ça passe ou ça passe pas. T'as été payé très très peu cher aussi. Comment? Pour le faire, t'as été payé normal, très peu cher. Normal, j'ai un jeune auteur. Et et donc c'était sorti et les premières critiques disaient que c'était de la merde parce qu'on comprenait rien, ça voulait rien dire et puis voilà, c'était les premières critiques internet et puis à un moment il y a eu une bonne critique et puis à un moment les trucs ont commencé à s'enchaîner et puis ça a commencé à monter, les gens ont commencé à lire et puis de fil en aiguille et je trouve ça, comment dire, c'est une fois que le bouquin est fait. Après, c'est vraiment gratifiant, ça donne la patate pour avancer et faire d'autres bouquins. Mais une fois qu'il est fait, il y a comment dire, il est extérieur. C'est ouais, le plus dur a été fait, quoi. C'est ça y est, il est imprimé, on le regarde et je l'ai pas relu depuis, quoi. Enfin, j'ai dû le lire une fois, mais par nostalgie, j'en sais rien. Mais voilà, sinon ça n'a vraiment pas de... Après, les bouquins, ils mènent leur vie. Et quand on a des retours, comme
Mobius ou des gens comme ça, bah, c'est sûr que ça flatte, quoi, mais ça permet surtout à fois un gros coup de boost pour se dire putain, mais le prochain, je vais le faire et ça va être. Je vais pas faire les mêmes erreurs et je vais continuer à avancer. Et c'est agréable. Justement, d'en continuer à avancer, parmi les reproches qui ont pu être faits, comme tu dis, on comprend rien, etc. Bon, ça, je pense que c'est un reproche gratuit. Par contre, il y a, parfois, on dit ça manque peut-être de consistance narrative. C'est sûr. Hein. Bah, comment dire, c'est. Moi, c'est j'ai commencé. Ma première BD, c'est elle. J'ai jamais fait de BD avant. Et puis. On arrive, on en fait une, on se dit bon ben on a fait le plus dur, on en a fait une, et puis après on dit bon ben j'ai fait quelques erreurs dans elle, je vais essayer de pas les refaire dans machin, puis on avance et puis. Qu'est-ce que c'est des erreurs par exemple pour toi? Ouais, il y a des erreurs, il y a des trucs de jeunesse, donc il y a des choses qui ont du charme parce que on dit le goût du chlore, je l'aurais fait après 20 ans de carrière, on aurait dit bon. T'aurais peut-être pas pu le faire. Il y a une fraîcheur, je pense que ça aussi qui peut-être, passe dedans. Mais c'est ce que, ouais, peut-être, c'est parce qu'il y a la naïveté aussi. On se dit, ah bah tiens, on va raconter une petite histoire. Et au fur et à mesure, on se dit, bah non, on va commencer à avoir, commencer vraiment à nourrir son propos, à nourrir ses personnages, à avancer au fur et à mesure. Et plus je regarde des films, plus je regarde d'autres choses, et plus je me dis. Le vécu quand même aussi, j'imagine. Pas trop. Ouais, le vécu aussi, ça avance, mais c'est là vraiment, je commence de plus en plus à aimer des choses que j'avais pas forcément tout de suite perçues, mais qui est de qu'est-ce que c'est d'engendrer, de créer un personnage, de le faire vivre et de le faire exister. Le goût du chlore, la nana, le goût du chlore, elle existe pas, elle a pas de nom, elle est là, il y a un côté universel, donc on se dit ah, ça peut être ma copine, ça peut être une fille que j'ai connue. Mais ça n'a pas vraiment de consistance en soi, ce livre. Enfin, même si. Au fur et à mesure, c'est vraiment. C'est une sorte. C'est un petit court-métrage, c'est un petit truc. Alors que. Quand on va commencer à créer un personnage, et qu'on va commencer à lui faire vivre des émotions, là, sur les mecs de. Sur l'Empire, ou même dans. Je sais pas, moi, Ashitaka dans Princesse Mononoké, je me dis, putain, c'est un des plus beaux personnages qui a jamais été créé. Et ce mec, juste, je vois Porco Rosso, et ben, juste le fait de le voir, j'ai envie de pleurer parce que c'est bouleversant. Il existe vraiment. Et on aura beau dire, oui, c'est un mec, c'est dessiné, il y a des petits japonais. C'est magnifique. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir toucher dans la bande dessinée et d'arriver à créer des personnages qui fassent que qu'est-ce que c'est plaisant quand. On est en dédicace et quelqu'un nous dit ah ben j'aimerais bien avoir Charlotte. On dit ah putain c'est cool, Charlotte elle existe quoi. Donc tu pars des personnages. Ouais vraiment ouais. Et puis au fur et à mesure après on va commencer à construire la structure scénaristique et ça, mais raconter l'histoire ça fait pas très longtemps que je fais ça, donc j'apprends au fur et à mesure. Une autre question peut-être. Bonsoir. Pour l'Empire, c'est la première BD que tu fais en série. Les premiers, c'était que des one-shots. Hein. Ouais, exactement. Est-ce ouais. que tu as envie de développer, justement, sur ce travail narratif, justement, des personnages sur plus d'albums, tout seul? Là, c'est avec le fait de travailler avec Merwan qui fait que c'est devenu un truc plus consistant ou... Bah, déjà, le fait de travailler avec Merwan, ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses, parce que c'est quelqu'un dont j'apprécie énormément son travail et une sorte de mentor. Et par exemple, juste pour donner une idée de l'Empire, on avait fait, j'ai arrêté la BD sur la danse classique, là, Paulina. J'avais fait les 70 premières planches. J'ai arrêté pour pouvoir faire le premier tome de l'Empire. J'ai fait le premier tome de l'Empire avec Merwan. J'ai repris mes 70 planches que j'avais faites et j'ai fait, mais c'est pas possible, y a rien qui va. Parce que j'ai pas posé mes choses, j'ai pas posé le contenu scénaristique, c'est trop linéaire. Ça se lit comme ça. Il y avait rien de poussé. Je pense que c'est dû parce que de travailler avec Merwan, de voir comment est-ce qu'on monte un scénario, comment est-ce qu'on monte des événements et tout ça. J'ai dû reprendre toutes les 70 premières pages de Paulina. Donc d'un côté, de travailler avec lui, ça m'a appris énormément de comment tenir un personnage, comment mettre des enjeux, comment poser. Une histoire et donc on l'a fait sur 3 tomes pour pouvoir respirer, pour pouvoir bien cadrer les choses, et c'était aussi par rapport au format et la collection Poisson Pilote qu'on avait eu la proposition de le faire, donc on a fait les 3 tomes avec, et puis plus ça avance et plus je me dis que il faut que la bande dessinée comme je la vois,
Elle se lit vite, mais il faut des pages, il faut avoir le temps de raconter, quoi. Parce que par rapport au format, plus on va avoir dans un petit format, plus on va devoir faire des ellipses, plus on va passer à côté de choses, et plus on va devoir faire de dire bon bah soit on raconte quelque chose de très petit avec en 46 planches, ou soit on raconte quelque chose d'immense, mais il faut couper plein de choses. Et je me dis, au fur et à mesure, là, je réfléchis à des trucs où comment est-ce que faire des bouquins de 200 pages, de faire 5 volumes avec des bouquins de 200 pages. Alors que, ouais, comme du manga, quoi. Mais sauf que la structure, il n'y a pas encore les structures, il n'y a pas encore ces choses-là. Faut voir. Parce qu'est-ce qu'on arriverait à faire en 3 mois un bouquin de 200 pages? Faut voir, travailler avec des gens. Je pose un peu ces questions-là en ce moment. Et justement, le fait d'avoir participé à les autres gens, est-ce que ça pourrait être une histoire qui se passe sur papier Bah, les autres gens, c'est un super super beau projet qui a été scénarisé par Thomas Caden, qui est une sorte de feuilleton où tous les jours il y a un auteur différent qui continue l'histoire, donc des autres gens. Et par contre, même si bon, moi j'ai participé à l'aventure et je trouve ça très bien, mais au bout d'un moment, j'ai dû arrêter pour faute de temps parce que j'ai pas le temps de pouvoir faire. J'ai fait 5 épisodes et chaque épisode c'est 40 cases, donc on prend 2-3 jours pour le faire et c'est assez assez costaud. Et je me dis que là, pour le coup, si on avait voulu, si Thomas peut-être avait peut-être poussé le truc ou je sais pas quoi, il fallait que ce soit plusieurs scénarios, travailler comme en série, plusieurs scénarios, il fallait qu'il y ait quelqu'un à la mise en scène. Il n'y a personne à la mise en scène, donc chacun est libre de faire la mise en scène qu'il veut. Donc comment faire se dire, machin a dessiné Camille, moi j'ai dessiné Camille, et Camille en fait, on ne sait pas trop comment est-ce qu'elle bouge. Et, donc c'est peut-être voir rentrer dans un truc de studio, quoi, de dire si on veut un feuilleton, ben il faut qu'il y ait un metteur en scène, il faut qu'il y ait un mec qui soit un chef aux couleurs, il y a un mec pour avoir même peut-être un mec qui fait une équipe qui storyboard tout le bordel, mais c'est compliqué parce que on aime bien être des auteurs, c'est agréable. Est-ce que c'est important aussi de publier chez plusieurs éditeurs pour pas avoir tous ses œufs dans le même panier et ça fait plusieurs attachés de presse. Non, mais c'est agréable. Suivant les maisons, j'ai compris ça au fur et à mesure que chaque maison avait un peu sa politique. Et au fur et à mesure, c'est quand même agréable de pouvoir accéder à des collections comme Poisson Pilote. Et puis toujours faire. Je fais toujours mes bouquins avec Didier chez Casterman parce que ça se passe bien et que je lui dis ah ben je vais faire un truc avec et puis ça saute et puis paf et puis il me fait ok on fait le bouquin et puis voilà c'est agréable. Moi on sent on sent un mec qui juste il est derrière, il croit en ce que tu fais, et ça c'est un bon rôle d'éditeur. Oui, bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir en fait si vraiment la bande dessinée, tu penses que c'est. C'est ce mort qui ou c'est. Le plus, non. Mais de savoir si, étant donné que tu as fait par exemple de l'animation, ça t'intéresse pas de le mettre sous forme de film ou d'expérimenter de nouveaux médias. C'est vraiment la BD? Bah, pour l'instant, à l'échelle humaine, tout seul, c'est sûr, c'est la BD. Hein. Je veux dire, un court métrage, passer 4 ans de ma vie, faire 10 minutes, faut y aller, quoi. Faut avoir le temps, quoi. Mais là, pour l'instant, oui, à l'échelle humaine, c'est la BD. Et plus tard, c'est sûr que c'est bien d'avoir des rêves et des idéaux qui font un peu. Et des objectifs, pardon, qui font avancer. Et je me dis, faire ce que fait Miyazaki, d'avoir. Ce qu'il a et de ce qu'il a réussi à monter, ce que Studio Ghibli lui donne, ben ça c'est un rêve. J'aimerais dire un jour, oui, j'aimerais bien, je sais pas, faire peut-être pas la réalisation, mais participer à écrire pour un long métrage d'animation, quelque chose comme ça. Tu n'as pas encore été contacté pour ça? Non, mais je pense parce que c'est quand même c'est pas l'avance Casterman. C'est là, je pense que au niveau des sous. Je sais pas trop s'il me ferait confiance, mais non, pour l'instant, ça reste de la BD, parce que même si, là, le goût du chlore, il a pas trop mal marché, des choses comme ça, mais ça reste comme dans un petit... C'est encore une idée de la BD qui est assez, assez petite comparée à tout le marché de la BD qu'il y a aujourd'hui, quoi. Donc je sais pas, c'est pas le chat du rabbin ou des trucs aussi énormes que ça, quoi. Mais... On verra. Enfin, il y a eu plusieurs tirages déjà, c'est quand même, ça commence à devenir intéressant comme vente. Ouais, non, mais ça, après, c'est le. Non, mais c'est vrai que un dessin animé au niveau de la, du, la, de la, du,
du plaisir de, et surtout des outils qu'on a pour raconter une histoire, c'est magique. Enfin, il y a quand même un truc où il y a la musique, il y a l'image, il y a le mouvement. On a juste à poser un spectateur, on lui dit ouvre les yeux, on lui balance le truc pendant une heure et demie, et puis il vit les trucs, quoi. Donc ça, c'est quand même assez. Alors qu'une BD, c'est pour que les mecs, pour qu'on se plonge dedans, pour qu'on arrive vraiment à rentrer, c'est c'est beaucoup plus actif, quoi. Donc Et t'arrives à en vivre ? Ça va, mais j'ai pas femme, enfant, assurance, je sais pas quoi. J'ai pas la voiture, je conduis pas, je bois pas, je fume pas, donc j'ai pas trop de dépenses. Et mais là, ça va, j'arrive à en vivre parce que je suis avec des éditeurs qui payent pas trop mal. Et puis j'essaye quand même assez vite. Je mets pas 2 ans par album. Donc, tu fais aussi partie par rapport aux révolutions du métier d'une génération qui n'est, là, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ce que j'ai entendu, qui est payé au forfait, c'est-à-dire pas à, ah oui, ça, pas moi, à la page. Le prix à la planche, le prix à la planche, j'ai connu avec Poisson Pilote, ça c'était agréable. Non, mais ouais, on est la fameuse génération au prix au forfait. Et les forfaits sont pas très élevés. Non. Mais c'est ça, il faut essayer d'aller assez vite. Mais d'un côté, par exemple. On fait une BD, je sais pas, t'es payé, fait une BD chez Casterman, le prix de départ, je sais pas quoi, ça doit être 10 000 euros, quelque chose comme ça. Bon, tu mets 1 an et demi pour la faire, t'as 500 euros, 600 euros. Bon, tu mets 1 mois et demi pour la faire. Bah, Trondheim, par exemple, il capte un peu ces trucs-là. Je pense qu'une des explications du style nouvelle bande dessinée, il tient aussi à oui, ça, c'est des raisons économiques, c'est sûr. Il y a un moment, on peut pas être Skuyton, un Skuyton de 22 ans, il arrive... Chez Casterman, il est payé au forfait, il ne peut pas tenir. Oui, il fait la manche. Ouais. Il y a un autre phénomène, c'est que les fonds de catalogue ne se vendent pas non plus, donc on ne peut même pas compter sur des livres anciens. Le goût du chlore, je pense que tu continues à là, ça va. C'est la première fois que je touche des droits pour une BD. Donc, C'est peut-être un des titres qui émerge de ton catalogue, parce qu'il y en a d'autres qui ne doivent pas. Il y en a qui ne se vendent pas trop. Mais bon, c'est le cas des auteurs de littérature, hein, le fond. Ouais, bien sûr. Et bon. Ça veut dire que l'auteur professionnel, ça va peut-être moins exister qu'à une période, oui, ça c'est sûr. Ouais, c'est pour ça, peut-être il faut monter des structures, des choses comme ça. Je réfléchis à ce truc-là. Ouais. Comment faire de l'argent avec la bande dessinée. Non, mais c'est ça le grand truc, c'est que comment faire de l'argent avec la bande dessinée, déjà il y a un problème dans la demande. Hein. C'est un métier de passionné, il faut que ça reste un métier de passionné. Parce que si on aime dessiner et qu'on veut faire des sous ou des choses comme ça, je pense que la bande dessinée, c'est pas le médium. Hein. Il y a quand même énormément d'autres choses qui a travaillé un peu, je sais pas, dans la pub ou dans le dessin animé même, ou des trucs comme ça, où c'est beaucoup mieux. Mais c'est pas, ça enlève rien, c'est que la bande dessinée, c'est aussi un truc où on veut satisfaire l'ego de l'auteur, on a envie de se dire « oui, mes histoires peuvent intéresser des gens ». Et c'est ça, on prend le pari, et après on prend la vie qui va avec, et puis si ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Il y a plein de gens qui font de la bande dessinée à côté de leur métier et tout se passe très bien. C'est juste qu'on a ce truc de l'auteur. Mais... Voilà. Moi je voulais juste t'interpeller sur ce que tu as dit vis-à-vis de la magie. Moi, je suis comme toi, Princesse Mononoké, Ashitaka, c'est une tuerie, quoi. Je peux voir en boucle toute une nuit. Et en revanche, la magie dans une bande dessinée, elle est terrible, quoi. Je veux dire, tu parlais de la musique, tu parlais des sons, je pense que quand Gilles Deleuze parle de l'idée en dessin, l'idée en cinéma et l'idée en roman et en littérature, quand toi, tu as une idée en dessin, la magie que tu retranscris au lecteur, même si tu ne peux pas l'apercevoir, si le lecteur a une imagination vraiment folle, il peut trouver dans ce que tu fais quelque chose de magique. Donc je pense que toi, tu es passionné d'animation, mais la bande dessinée, c'est aussi, ça a une puissance magique. C'est-à-dire que moi, une bande dessinée de Shinichi Abe, elle peut être très morose, très morte. En termes de magie et d'émotion, je peux voir des ellipses. Je ne sais pas, cette anecdote d'un lecteur de Tintin qui revoyait une scène de Tintin alors qu'elle n'existait pas. Ah oui, ok. Il y a dans les ellipses
une magie qui est réelle aussi. C'est-à-dire quand une bande dessinée est bien faite, quand le scénario est bien fait, t'arrives à vraiment, tu parlais de rendre le personnage fort, il y a vraiment quelque chose d'assez puissant qui peut se créer, et une magie qui peut se créer, même du mouvement qui peut se créer, alors même que l'auteur ne l'avait pas vu. Donc ta BD, la BD que tu crées ne t'appartient même plus. C'est-à-dire ça arrive à un moment où, où la magie que tu peux retranscrire toi est assez forte, et c'était juste... Mais par exemple, il faut avoir une réelle capacité pour arriver, enfin je pense, pour arriver à lire ces choses-là. Moi je connais des amis qui peuvent, ils prennent un manga et le manga ils le lisent en 6 mois parce que sur chaque page, ils regardent comme ça, il est comme un fou et il s'arrête pas. Mais parce qu'il faut avoir une réelle capacité et je pense que dans la bande dessinée, ça demande, on peut raconter des choses extraordinaires, vraiment. De manière parce que c'est quand même un médium qui on peut raconter énormément de choses, mais vraiment l'arriver à porter le lecteur et tout ça, c'est assez c'est plus tenu que juste par exemple si on prend un extrême, on met quelqu'un devant la télévision, il peut rester 2 heures à regarder un truc devant la télévision et puis voilà, parce que ça demande pas forcément de choses. Mais dans la bande dessinée, il y a le lecteur participe à la création. Il y a vraiment cette chose-là, et c'est une réelle éducation. C'est pour ça que je connais plein de mes amis, ils n'ont jamais ouvert un de mes bouquins, ils n'ont jamais ouvert une BD, parce qu'ils disent, mais la BD, parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas, il n'arrive pas à saisir le truc. Il dit, bon... Mais c'est pour ça que ça demande juste ce petit truc. Et peut-être que il y a dans le cinéma d'animation, il y a d'autres choses. Quand on a envie de raconter une histoire et juste d'essayer de porter plus de gens, il y a peut-être ce truc-là. Mais il y a des bouquins qui ont. Joe Hisashi, par exemple. Ouais. Dans Miyazaki, il y a Joe Hisashi en plus. Quoi. Ouais, voilà. Il y a des choses qui. Je pense que si Miyazaki était en manga, peut-être ce serait moins accessible pour plusieurs choses. Mais il y a des mecs qui ne jurent que par les mangas de Miyazaki et les films, peut-être moins, je sais pas. Peut-être une dernière question ou une avant-dernière question. J'en aurais une aussi. C'est quoi l'histoire de la misogynie sur ton blog? Je n'ai aucune misogynie sur mon blog. Non, mais c'est pas du tout de la misogynie. Non, c'est juste que quand on dit ce qu'on pense aujourd'hui, on a... Il n'y a pas d'histoire de misogynie, quoi que ce soit. C'est juste que c'est un blog et j'aime bien être un peu dire les conneries qu'on pense. Et c'est agréable. Quand on a passé 3 ans à faire des bouquins où toutes les nanas étaient déifiées et tout ça, machin, quand on retourne sur un blog où on se fait un peu plaisir, et bon, on dit, non, à des moments, elles sont un peu reloues. Mais c'est normal, c'est un équilibre. Il n'y a pas de misogynie tout de suite dès qu'on dit. Il n'y a pas d'histoire de misogynie. Et ton amour de l'Italie? Ton amour de l'Italie? Oh là, c'est trop compliqué ça. C'était il y a déjà un peu de temps, et puis maintenant tout est revenu à sa place. Donc les Italiens sont restés nos ennemis du foot, et la pizza est très bonne, et puis voilà. Bah tu parles très bien. J'ai eu la chance d'aller en Italie. Quand on était en concert de dessin. Ouais. Mais t'es à l'aise en Italie, c'est quand même. Comment? Tu es très à l'aise en Italie. Ouais, c'est non, sûr. C'est. Bah parce que il y avait un truc en Italie qui me fascinait, c'était cette. Quand on parlait d'image, les nanas et la femme, et l'image de la femme et l'image de l'homme en Italie, c'est quelque chose, quoi. Donc c'est vraiment, c'est fou, il n'y a qu'un Italien qui peut sortir avec une Italienne, il n'y a qu'un Napolitain qui peut sortir avec une Napolitaine, et il y a vraiment ce truc d'image, c'est complètement fou, et moi ça m'a un peu février, et donc juste que ça, moi j'ai commencé à... Je me suis dit qu'il y avait peut-être une vérité à comprendre là-dedans. Alors qu'en fait, non, c'est juste une espèce de mœurs culturelles. Un truc très, très bizarre. Et voilà, mais le goût du chlore était en partie à cause de ce truc-là. Quoi. J'ai commencé à dessiner des femmes qui n'étaient plus des personnages féminins avec des noms des gens qui existaient. Mais c'était une espèce d'entité. Quoi. Je commençais vraiment à dessiner. Je disais, alors là, c'est la femme. Alors ça, je dessinais la femme. Mais bon. Va dessiner la femme, ça n'a pas vraiment de sens. Mais... Justement, j'ai une question très pédante. Est-ce que tu as une conscience politique? Oula, une conscience politique, oui. Ça quand ne même. Transparaît pas trop hein, dans ce que tu fais. Non, mais je me connais très très mal dans la politique et compagnie. Mais une conscience politique, oui, parce que j'essaie quand même d'être assez entier dans ce que je fais, de dire, comment dire, tout ce que je dis, tout ce que je raconte. Je le pense vraiment. Enfin, je veux dire, comment dire.
Oui, je le pense d'une certaine manière. Je n'ai pas à m'en cacher. Je vais pas dire, on va dire, il y a aucune trace de démagogie ou de je sais pas quoi. Non, vraiment, j'ai un côté où je me dis, bah, je suis juste, j'aime bien, je raconte mes histoires. C'est moi. Bon, c'est sûr que politiquement parlant ou même socialement parlant, mes histoires n'ont pas vraiment de poids parce que c'est pas un domaine dans lequel j'ai des choses à raconter. Ce qui m'intéresse plus, c'est les rapports humains et ces choses-là. Le reste, je m'y connais pas forcément. Je laisse la place à des auteurs qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour donner leur avis là-dessus. Mais oui, la conscience politique, je pense, quand on fait n'importe quel domaine artistique, on est obligé d'avoir. C'est, on se dit, est-ce qu'on sert de la merde aux gens ou est-ce qu'on essaie de servir le mieux qu'on peut? Voilà. Est-ce que tu es romantique? Oh là. En fait, oui, j'étais, mais on était romantique parce que je parlais pas aux meufs et que j'étais dans la loose, donc c'était oui, t'es romantique. Mais non, j'aurais jamais dû. Le romantisme, c'est un beau truc pour se cacher derrière, mais ça n'a pas de. C'est bien de se dire qu'on est romantique ou je sais pas quoi, mais en fait non, ça marche pas. Tu crois en l'amour? Hein? Tu crois en l'amour? Oula, je sais plus trop là. D'accord. Non, mais difficile. Hein. Je pense que ouais, l'amour c'est putain, c'est difficile. Ouais, je crois en l'art, je crois en toutes ces choses-là. L'amour, c'est. En fait, avant, je me disais, il y avait l'amour et le reste de la vie. Maintenant, je me dis, il y a pas mal d'autres trucs. Et puis l'amour. Et puis, si jamais il y a, c'est bien. Et puis, s'il n'y a pas, tant pis, c'est pas grave. Mais il y a pas mal de choses à vivre quand même, à part ce truc-là, quoi. Non, mais sans être rien du tout d'alarme. Non, mais on en fait. J'ai perdu tellement de temps avec ces conneries que je. Non, mais c'est fou, hein. Et je me dis encore, j'ai 26 ans, mais si jamais je Si j'avais pas la BD, je sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais cru de continuer. C'est une bonne conclusion. Merci, Bastien Rivas. Ouais.